crois que le Cambodge a traversé quelques décennies compliquées quand même. Tout le monde sait qu'on a eu beaucoup de guerres, un génocide, une destruction qui est terrible, qui est faite par les Khmers Rouges. Le Cambodge est un pays qui va de l'avant. Et témoin clé de son histoire, le réalisateur cambodgien Rithipan, qui a été plusieurs fois primé pour ses documentaires. Son regard acéré sur le Cambodge d'aujourd'hui et d'hier, il l'exerce aussi sur les problématiques de développement. On a eu un pays qui n'a pas seulement que des morts, mais on a perdu beaucoup d'intellectuels, de techniciens, d'infrastructures. Et il fallait tout reconstruire. Donc le développement, c'est presque un vrai challenge là. En octobre 1991, les accords de paix de Paris sont signés. Exsangue et ravagé, le pays sort doucement de 20 ans de guerre civile et d'instabilité politique. Tout est à faire. C'est dans ce contexte que l'Agence française de développement est autorisée à ouvrir une agence à Phnom Penh dès 1993. Tout naturellement, son mandat se concentre en priorité sur l'agriculture, un secteur qui emploie 80% de la population active et est le pilier de la lutte contre la pauvreté. Contrer les flots salés qui envahissent régulièrement les champs et dévastent les récoltes. Ce rêve fou de la mère de Marguerite Duras, qu'elle a raconté dans son célèbre roman « Un barrage contre le Pacifique », les Cambodgiens le réalisent enfin, avec l'aide de l'AFD. Le projet de réhabilitation des polders de Prenup au sud du pays fait certes appel aux savoirs les plus récents en matière d'ingénierie. Mais l'originalité tient surtout à la création d'un groupe d'agriculteurs qui gère lui-même le système d'irrigation, le comité des usagers des polders, aux responsabilités clairement définies. Efficace, ce système d'autogestion qui crée une appropriation du projet par les agriculteurs garantit une réelle pérennité des infrastructures. Il a depuis servi de modèle dans le reste du pays. Je crois que quand on veut développer, on va bousculer les choses, on va changer les règles. C'est ça le développement. Et je pense que le développement ne doit pas négliger cette dimension-là, c'est-à-dire le plus proche possible du peuple. Si on n'est pas proche du peuple, ça ne durera pas. C'est artificiel. Être proche du peuple et de ses besoins. C'est ce qui a motivé l'AFD à aider le Cambodge à se doter d'institutions de microfinance solides, capables de répondre à une demande de financement croissante de la population, qu'elle soit rurale ou urbaine, pour échapper aux usuriers sans scrupules. Le bailleur de fonds va parallèlement aider la Banque centrale à légiférer, réglementer et organiser ce secteur, qui permet aujourd'hui à plus d'1,4 million de personnes d'avoir un accès au microcrédit. នៅ កម្ពុជា នេះ មុន ដំបូង គឺ មាន រូប ភាព ជា ភាក ច្រើន គឺ ជា NGO ជា អង្គការ ក្រៅ រដ្ឋាភិបាល ដើម្បី ផ្ដល់ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ នឹង ទៅ ដល់ ប្រជា ពលរដ្ឋ របស់ យើង នៅ ទី ជនបទ នឹង តែ គាត់ មិន មាន លទ្ធភាព នៅ ក្នុង ការ ទទួល យក សេវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ ពី ធនាគារ បើ សិន ជា ប្រាក់ កម្ចី ក៏ ខ្ចី តូច តាម យ៉ាង ទៀត ធនាគារ គាត់ មិន ចាប់ អារម្មណ៍ ទៅ លើ ធ្វើ ការ ងារ សម្រាប់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែល ខ្ចី ប្រាក់ តូច តូច នឹង ទេ. Si les chiffres indiquent une autosuffisance alimentaire dans le pays, la réalité est souvent tout autre. Nombre de ménages se retrouvent surendettés, faute de filets de sécurité. Standard
ដែលទទួលបានចំនួននឹងសប្ងៃនេះគឺយើងបានអនុវត្តស្មាតកម្ពុជាអំរិតនឹងក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោមស្ថាប័នដែរ10ដែលទទួលបានចំនួននឹងសប្ងៃនេះគឺយើងបានអនុវត្តស្មាតកម្ពុជានឹងហើយប៉ុន្តែយើងចង់បានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលថាតើទៅនឹងថាតើយើងបានអនុវត្តស្មាតកម្ពុជានឹងមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ Amaret, via l'ONG française Grete qu'il a créé, fait un constat. Les microcrédits qu'elle octroie ne sont pas toujours réinvestis, mais consacrés aux dépenses de santé. La maladie est la première cause de surendettement des ménages au Cambodge. Ainsi, naît l'idée de mettre en place un système de micro-assurance santé qui reçoit l'aide de l'AFD. En 1999, le projet Sky, à destination des populations rurales les plus vulnérables, voit le jour. Suivra en 2009 le produit IP, ciblant les ouvrières du secteur textile. Autant d'initiatives innovantes en matière de couverture sociale qui apportent de nouvelles solutions pour lutter contre ce qu'on appelle les trappes à pauvreté. Quand on a mis en place ce projet, il y avait deux objectifs. Un, pouvoir couvrir cette population qui en avait besoin. Et aussi servir de projet pilote pour le ministère du Travail, qui voulait mettre en place une branche de sécurité sociale assurance maladie au Cambodge. Et donc ce projet, normalement, devrait naître en octobre cette année. Et donc notre produit IP pour le secteur textile va être transféré au sein du ministère du Travail. Parmi ces maladies, celles liées à l'eau font des ravages. En 1993, la Régie des eaux, qui produit et distribue l'eau potable à Phnom Penh, récupère des infrastructures en ruine. Ces efforts ont permis depuis de faire d'elle le fleuron des régies d'eau de la région. Une success story saluée internationalement. Stockholm Industrial Water Award, ឆ្នាំ2017នេះយើងទទួលបានមួយទៀតអំពីចែកការអវ៉ាដ Recognition Award for សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នឯកសារសង្គ្រាមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយរបស់រដ្ឋកម្ពុជាត្រូវខូចខ្ទេចខ្ទាំអស់ឆ្នាំ2003យើងបានទទួលនៅប្រាក់ចំនួនអត់សំណងពីខាងបារាំងតាមអាដេនឹងចំនួនប្រមាណជា4លានយូរ៉ូយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្ថែមពីលើ ជំនួយអភិវឌ្ឍផ្សេងៗរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍យើងមានបានផលិតនៅទឹកស្អាតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសេចក្តីត្រូវការហ្នឹងគឺកើនយើងក៏ទទួលបាននៅប្រាក់កម្ចីពីអាហ្វដេប្រាក់កម្ចីពីខាងចៃការជប៉ុនតាមរយៈអង្គការចៃការយកមកកសាងស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតមួយទៀតនៅនីរ៉ូតដែលនីរ៉ូតជំហានទី1សម្រាប់13ម៉ឺន À la station de Nirod, l'entreprise française s'affaire avec la régie depuis 20 ans est à pied d'œuvre. Alors l'eau pompée dans le Mekong arrive ici au niveau de ces quatre mixeurs où on injecte une série de produits chimiques qui vont aider au traitement. On est sur une usine qui est vraiment à la pointe de la modernité. Dans nos pays occidentaux, à qualité d'eau brute égale, on aurait exactement la même usine. On a même des innovations qu'on ne trouve pas ailleurs, par exemple sur la prise d'eau. L'agencement circulaire des pompes est une technique qui, à mon sens, n'existe nulle part ailleurs. Nous sommes ici pour assurer la supervision des travaux. Il y a bien évidemment un volet de formation du personnel qui fait partie de notre mission. À la sortie de ces filtres, on récupère une eau qui est tout à fait potable, qui est ensuite envoyée vers les bassins de stockage à 23 000 m3, avant d'être pompée dans le réseau d'eau potable jusqu'à la connexion de chacun des consommateurs. Cloud. On peut dire que du bien quand le Psa Thmey est relooké. Le marché central est quand même important par rapport à l'histoire du Cambodge. C'est un des actes du Cambodge moderne. Chaque fois qu'un projet de développement tient compte de la dimension culturelle, la dimension humaine, il ne peut pas louper. Le marché central, édifié en 1937, a été réhabilité. Inauguré en mai 2011, il s'inscrit plus que jamais comme un monument du patrimoine urbain. ហើយតើកន្លែងខ្លាយគឺអត់ឆ្លៃទេតម្លៃ។ពេលសាធ្វើហើយយើងទៅស្រួលស្រួលលក់អនាម័យក៏ល្អបាត់ពុំក្លិនស្អុយបាត់ឯទាំងអស់ហើយលក់ដូរដាច់ទៀតដាច់ជាងពីនិសានឹងចាស់សាធ្វើហើយលក់ដាច់ជាង ហើយតើកន្លែង
Autre innovation, la gestion du site est réorganisée via la création d'une régie autonome du marché. Nông đám cho năm pipon đọc bí, phí yêu tế cho mình chùm đuôn tại chương phẩm mùi bọn nẹ tế khăn mặc hài tại là hốt một đo ở cho năm pipon đọc bí ní. Cứ phí yêu tế cho chế thật ca lăng là hốt đo tơ mặc hài chương mà mơn nẹ, mà mơn pipon, chất mà mơn bay bọn nẹ khăn mặc hài. Chào. Je ne peux même pas imaginer un développement sans un développement culturel. Si vous n'existez pas culturellement, vous serez effacé. Action ! Le secteur culturel, c'est ça que vous investissez le moins, ça rapporte le plus gros. Dans mon domaine qui est le cinéma, je me disais, on va peut-être pouvoir attirer les tournages. Je me suis lancé dans la formation des premiers techniciens. Au début des années 90, ça ne marchait pas. Et je me rends compte que cette formation ne marchait pas parce qu'on n'a pas un lieu de mémoire audiovisuelle. J'ai créé le centre Bopana. Après, on a créé la commission de film à la fin du projet. Je pense qu'on a attiré à peu près 8 à 10 millions de dollars. On aura réussi à former à peu près 120 techniciens. Je précise que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma du Cambodge qu'on exporte nos techniciens. Ces trois dernières années, plus de 700 millions de spectateurs ont vu une image du Cambodge. Plus il y a le tournage des films chez vous, ça veut dire qu'il y a la stabilité, il y a la paix, l'infrastructure fonctionne. Sinon, ils ne viennent pas. Voilà. Ça, déjà, on change l'image du Cambodge miné par les guerres au Cambodge où on peut amener Angelina Jolie ou Isabelle Huppert ou n'importe quelle star. Sans problème. Ce ne sont peut-être pas des stars, mais les techniciens formés dont parle Riti Pan participent d'un enjeu crucial pour le pays, le renforcement des compétences. Une croissance démographique soutenue, une population très jeune et, à l'horizon 2015, le projet de création d'un marché unique de l'ASEAN, autant de facteurs qui font de la formation une priorité. L'AFD est sur ce front, utilisant là encore toute la palette des outils financiers à sa disposition. Elle a ainsi accordé un prêt à la Fédération des manufacturiers de la confection textile en soutien à un projet de centre de formation professionnelle au métier de l'habillement. C'est un secteur très important, c'est le plus grand employeur du Cambodge. Nous représentons 450 usines, mais qui représentent 80% de l'exportation totale du Cambodge. Non seulement ce centre de formation va aider les ouvriers cambodgiens de trouver des métiers bien payés, mais aussi peut aller en Asie avec ce brevet qui est reconnu donc par l'État cambodgien qui est membre de l'ASEAN, des 10 pays, mais aussi reconnu par notre association, qui est membre signataire de l'association de toutes les usines de textile et de la confection de l'Asie. AFD est un partenaire très important pour notre programme. On pourrait former entre minimum 1 200 professionnels à 3 000-3 500. Par an, c'est notre budget et notre but, y compris donc les gens de formation à court terme. Surtout que les étudiants qui sortent de ce centre sont presque garantis de travail, parce que tous nos membres sont des employeurs. J'espère qu'on va réussir.
Genève est effectivement un atout considérable pour le Cambodge. Alors certes, pour son employabilité, il faudrait qu'elle soit mieux éduquée, mieux qualifiée, d'où l'importance que l'AFD attache au projet de formation professionnelle, dans le secteur du textile, bien évidemment, mais demain pour le tourisme, après-demain pour l'agriculture, voire dans d'autres secteurs. L'AFD, au travers de la mise en œuvre de ses projets, cherche à développer des partenariats avec les acteurs, les bénéficiaires, les réalisateurs des projets. Ici, on a pu avoir la chance d'avoir une qualité partenariale tout à fait exceptionnelle. Ces 20 dernières années, on est passé de la reconstruction au décollage économique. Demain, le Cambodge, j'en suis convaincu, va faire partie du groupe des pays émergents. Et qui dit développement économique et social, dit que personne ne doit être oublié au bord de la route. Un développement qui crée des fossés crée obligatoirement l'instabilité sociale, crée les mécontentements, crée la colère. Donc, ce développement-là, elle doit être harmonieuse. Il faut être absolument optimiste. Et absolument faire confiance à notre jeunesse. C'est notre atout.